dorment. C'est l'expression va donner du repos à tes os. Des habitants de la Payade ont fait visiter le quartier à la compagnie de théâtre La Hurlante et sont allés à la rencontre des habitants de la Payade afin de finaliser un projet théâtre en compagnie aussi de l'association Les Iconophages. Je sais pas aller où la poubelle en fait. C'est refait hein. Non, les gens ici ils ont pas un... Par contre de l'autre côté il y a une autre face de ce même bâtiment. Voilà. C'est pas la même chose. Ah ouais, ils n'ont pas été refaits. Les habitants qui vivent là, ils sont contents de ce qui a été refait ou c'est juste la façade et pas l'intérieur? Non, ils ont refait des choses à l'intérieur. Non, en général, ils sont contents. Là, ça reste quand même du logement public, donc au bout d'un moment, ils sont obligés de réagir. Là. Et là, c'est et les copropriétés sont un vrai, vrai problème. Ici, il y a des copropriétés dans les états. Bah, on va aller voir. Nous, on a travaillé sur celle qui est ici, qui s'appelle Fond del Rey, où c'est 120 appartements qui est tenu par un seul propriétaire qui fait payer 400 plus cher qu'en centre-ville, les studios, les F1. Et ne viennent que les personnes qui sont les plus précarisées, qui viennent d'arriver sur Montpellier et qui n'ont pas le choix parce qu'en plus, ils ne demandent pas beaucoup de caution. Et en plus, ils peuvent fournir des logements rapidement parce que de toute façon, ça coûte tellement cher que les gens n'y restent pas. Quoi. Ils ont après les moyens. C'est juste qu'en fait, ils peuvent s'installer rapidement dans ces appartements-là. Ouais. Voilà, on a un pied sur... Bon, c'est pas un petit souci, mais grand souci. Chaque week-end, les gens qui habitent en Espagne, qui traversent la France, ni la douane, ni le contrôle, c'est-à-dire ni l'hygiène, au niveau... Il y en a qui ramènent des produits comme les œufs dans le fourgon, avec la chaleur, avec... Il n'y a pas de... Ici, à la Payade, c'est la liberté totale. Même la révolte, on a plus de site. Non, mais ça me déprime. Bref. Et construire à une vitesse hallucinante. Il n'y a plus de place pour se garer. Il n'y a pas de trottoir. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que des bâtiments, il n'y a pas d'école. Du coup, ça pose des problèmes là-bas parce que les écoles, elles sont surchargées. On est en rêve plus et ça... Non. C'est comme si on n'y était pas. C'est l'horreur. Les bâtiments, ils sont mal construits. Donc, il y a déjà des fissures, des fuites. Il y a déjà plein de problèmes, des moisissures, tout ça. Tu habites où exactement? Ouais, j'ai de la chance parce que pour l'instant, j'ai pas de soucis dans mon appartement. Mais il y en a, c'est la catastrophe. Les enfants, c'était parce que je les ai visités, les toits, avant de refuser. Oui, mais pas pour le dernier, celui qui est ici, la DACM, quand je suis rentrée, j'avais eu l'impression d'être oppressée. Et j'éclatais en sanglots. Il y a trop de gens de la même catégorie que moi. Catégorie, ça veut dire maghrébine, avec les mêmes origines. Donc la mixité n'y est pas. Si on veut avancer, il faut qu'il y ait des gens un peu de tout bord. Je veux le meilleur pour eux. Je veux le meilleur pour eux. Pas me mettre ici. Voilà, donc, tu veux quoi, toi? Rien. Tu veux rester là où on est? À la maison où on est? Non.